Et donc, je continue cette série de tops avec ici le top des meilleurs films que j'ai vus cette année sur YouTube. Attention, cette liste est une liste très subjective. Elle concerne les quelques films que j'ai pu avoir l'occasion de voir sur la toile de temps à autre. Certains vous seront familiers et d'autres vous allez les découvrir et vous demander d'où ils sortent. Bref, vous verrez bien. Bon, eh bien allons-y. Numéro 5. Car un jeune réalisateur qui sort de nulle part, ça fait toujours plaisir, surtout quand il essaye de créer un univers. Arnaud Bay est un jeune metteur en scène plein de ressources, et surtout, qui cherche à se faire la main avec YouTube. Et clairement, avec ce petit film policier de 30 minutes, il offre un moment qui visuellement est assez juste, et qui au niveau de l'histoire parvient à mettre en place un univers solide. Le film vaut surtout le coup pour sa mise en scène, un peu moins pour ses acteurs, mais l'idée est là et elle est tellement bien amenée qu'il fallait rendre hommage au travail de ce jeune réalisateur. Allez, on continue, numéro 4. Là, on passe carrément à un niveau supérieur car vous connaissez tous Timothée Hochet et si ce n'est pas le cas, vous l'avez forcément déjà vu quelque part. En ayant commencé dans une case de youtubeurs qui aurait pu l'enfermer, il a rapidement réussi à s'imposer comme l'un des réalisateurs les plus importants de YouTube en France. Et avec ce petit film de genre horrifique absolument délicieux, il arrive à la fois à nous faire frissonner et surtout à jouer avec beaucoup d'élégance autour des réseaux sociaux et de leurs penchants négatifs. À la fois glauque, macabre et même cynique dans un sens, ce court-métrage impose le respect par une imagerie magnifique et une actrice centrale juste parfaite qui font de Timothée Hochet un auteur incontournable du court-métrage sur YouTube actuellement. Allez, numéro 3. Techniquement, il devrait pas être là, mais au vu de sa sortie sur YouTube, il fait presque office d'outsider dans ce classement. Raphaël Tcherkassky est un cinéaste plein de ressources, comme a pu nous le démontrer Victor Bonnefoy dans son Unknown Movies qui lui était consacré. Et pour le coup, ce long métrage impressionne par sa qualité d'écriture, sa force dramatique et son esthétique lâchée et glaçante d'effroi par moments. Même s'il aurait mérité une sortie en salle, sa sortie sur YouTube a eu au moins le mérite de démontrer que les films indépendants peuvent avoir une reconnaissance sur ce réseau. Allez, numéro 2. Car oui, beaucoup le mettent dans les meilleurs films de l'année, mais ici, il a une place de choix au milieu de grands talents indépendants. Les Suricates ont réussi un coup de maître en amenant ce film sur la toile, et ont surtout créé un vrai engouement autour de leur premier long métrage, en offrant un film cool, fun, jouissif même, et terriblement génial, le tout autour d'un univers créatif et inventif, pour un premier film vraiment surprenant. Car oui, cela reste du matériel pour YouTube et aurait du mal à conquérir un public en salle. Mais c'est en cela qu'il reste tout de même une des grandes réussites de la production audiovisuelle francophone. Allez, on passe au numéro 1. Car oui, celui-là reste un cran au-dessus de tous les autres films de ce top et s'impose comme le film immanquable de cette année sur YouTube. David Sandberg offre un délire jouissif et outrancier absolument divin au cœur d'une œuvre cinématographique totalement accomplie qui fut l'événement YouTube de l'année clairement et qui donna lieu à un engouement autour de la mise en ligne d'un film sur le réseau de diffusion vidéo. Kung Fury fut dans un sens un moment important pour la production audiovisuelle indépendante sur YouTube, qui donna lieu à des films comme Les Dissociés et qui permit à des auteurs présents dans ce classement d'être mis en avant, ce qui en fait le leader incontestable de la production cinématographique sur YouTube en 2015. Donc voilà, c'était mon top des meilleurs films sur YouTube, on se retrouve demain pour faire malheureusement la liste des pires films de l'année au cinéma, et d'ici là, allez voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films.